pour eux. Oh, j'aime bien ça. Qu'est-ce que j'aime ce couloir comme ça, hein. Cette super décalage. C'est surtout que ça, c'est un schéma qu'il va falloir qu'il utilise énormément. Hein. Ah ouais. Prise de balle tôt en revers pour jouer droit devant, pour derrière utiliser son coup droit. Elle est belle. Elle est dedans. On la voit la filière. Hein. Dès qu'il peut prendre la balle tout en revers et rentrer un peu dans le terrain et pouvoir lâcher son grand coup droit long de la ligne. Où il est là. Oh, c'est bien joué. Les deux côtés, superbe. Ça non plus, hein. Il ne va pas falloir hésiter une seule seconde à partir du moment où il va sentir Rafa déstabilisé. Soit côté revers comme côté coup droit, mais surtout côté revers, de venir suivre au filet derrière. Oh, c'est magnifique. Ah oui, ce coup droit, ce revers long la ligne là. C'est Zévalto. Un pas en avant. Hop. Un pas en avant. Il ne faut pas accepter l'échange vraiment trop avec Rafa. Et là, c'est la différence. C'est encourageant pour lui. Mmh. Ah ouais. Il a ses pom-pom girls personnelles. Et on a les premières balles de break de la finale. Elles sont pour Roger Federer. Quel revers. C'est lui qui déclenche tout. Hein. On peut laisser passer la balle en fait. Attention. Oh là 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 là, attention, attention. Non mais là tu t'exposes. L'échange. Tout le monde sait. C'est tu. Et ça reste dans la bande. Hein. Ça reste dans la bande. Hein. Si ça attrape pas la bande, le passing il est gagnant quand même. Hein. Quelle longueur. Hein. Oh oui. là. Moindre balle moyenne ne pardonne pas. Oui. Quelle détente! Et le passing de Nadal pourtant était sublime. Hein. Vraiment, il le transforme en plomb. Alors que pourtant, c'était du plaqué or. La volée est incroyable. Un bout de raquette d'arriver à la tenir. En dessous du niveau du filet en plus. Hein. Voilà, lucarne. Hein. Attention. Trois balles de KO. Incroyable. Et le premier coup de raquette hein, derrière le service ou même. On est nous. Hein.
Ben voilà. Ça change tout. Hein. Alors, ah oui. Voilà, c'est comme ils disent que le dernier coup droit finit sur la ligne, mais c'est ça n'a rien à voir. Alors après, c'est aussi dû à ce que Rafa lui impose depuis l'entame de cette deuxième manche. On voit Rafa frapper beaucoup plus fort dans la balle, haut, essayer, hein. essayer de subir beaucoup moins. Et oui, il la prend plutôt la balle. Excellent point des deux côtés avec le contre pour finir de Roger Federer qui récupère un des deux services perdus. Voilà, c'est énorme ce coup droit. Voilà, quelle défense aussi. Oh la vache. Ok. Point. Parce qu'il faut aller chercher quand même sur ce coup droit là, la défense. Il s'est fâché, Rafa. Il a mis un de ses cachous. Oh là, oh le bruit que ça a fait. Le retour 40-0. Ils ont de l'orgueil les deux ou pas? Non, du tout. Surtout, ils font pas passer de message, tu sais, l'un à l'autre. Et super, bon remplacement. Et il grignote un deuxième jeu. Ah oui, il avait pas envie que je parle, mais bon, j'ai... Oh, c'est magnifique ça. Encore une fois, il a changé la direction. Oui, alors qu'il attendait plutôt Rafa long de la ligne, et il a croisé court en bout de course. Grand art, hein, regarde ça. Oh. Oh, c'est fabuleux. Il a coupé toutes ses trajectoires à l'échelle. Ah ouais, non mais là c'est incroyable. Ah, il y a plus d'intensité là, hein, tout d'un coup, hein. Oh là là.
en demi-volée alors qu'il avait mis un pain, Rafael Nadal. Et qu'est-ce qui revient? Fabuleux. Un missile. Un truc, bah regarde, le mec il joue au tennis de table. Arriver à contrôler mais cette balle. Regarde ça. C'est extraordinaire quand même. Quel joueur. Parce qu'on peut pas dire que la balle de Rafa était courte. Oui. Hein? Oh là là, qu'est-ce là, qu'il ce revers croisé. Incroyable. Le festival. La volumnité basse, il la prend à 20 cm du sol. Extraordinaire. C'est un tennis, franchement. Deux balles de 4-0. Là encore. Une fois revers, une fois coup droit. Il lâche de lâche, hein, le coup droit. Croisé. Troisième occasion. Oh, quel retour. Il peut quand même pas fonctionner à chaque fois. Ce service slicé aux avantages. Sommet. Non mais il a la vitesse, la puissance qu'il a mis, c'est vraiment un... Oh là 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 là. Quel jeu et quel moment pour Roger Federer, vous voyez, 1-25, hein, c'est souvent comme ça. Aïe, ça y va. Oh là là. Comme elle est bien sauvée. Toujours bondissant. Oh là là.
Quelle précision encore, la longueur de balle. Oh là là, et il termine avec cette volée soyeuse, récital du maestro. Moins de deux heures de jeu et il inflige un 6-1 à Rafael Nadal, pourtant valeureux une fois de plus, mais là, saoulé de coups. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, monsieur. Je sais, hein, dès qu'il a l'opportunité qui sont couvrés, il apprend tôt. Et derrière, ça suit. Parce qu'on aime ça, c'est bon ça. Oh là 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 là! C'est beau. Ouais. Quand il joue comme ça, il n'a pas le temps de s'organiser. Rafa, il se retrouve dans une situation où c'est lui qui est complètement dominé, qui court dans tous les sens. Et là, c'est fait, mais simple. Ouais, il avance, pose son appui. On comprend bien sa volonté absolue de raccourcir. Qu'est-ce qu'elle est bien négociée là, cette dernière balle, parce qu'elle est beau, hein. Pas facile à faire, hein. Non. Qu'est-ce que c'est bien joué ça. Il s'engouffre. Extraordinaire. Trois balles de break. Ah oui, attention, hein, on le sait, hein, dès que il a l'opportunité, Rafa, capable de réaccélérer, de bouger, les deux fautes en couloir de Roger sont chères. Défense. Oh là là, exceptionnel! Quelle réponse de Nadal! Un point phénoménal! Oh, la remise! C'est hallucinant! Hallucinant! C'est des coups droits qu'on ne voyait pas dans les trois premières manches. Mais là, Rafa commence à lâcher. Trouver de la longueur en décroisé là. Qu'est-ce qui commence pas seulement face à Nadal, mais commencer ses jeux par un service slicé, c'est vraiment la règle pour lui. Oh, parce qu'il y en a déjà beaucoup plus là dans les frappes. Ouais. Oui, ah, pas mal non plus. Bonjour, au revoir, bonjour. Ils arrivent à trouver des zones. Et énorme ambiance du central qui pousse. Ils attendaient que ça. À l'unisson. Pour ce moment historique. Début du cinquième set. Finale de l'Open d'Australie 2017. Roger Federer, Rafael Nadal sont toujours là.
à ses tripés consciencieusement. Nadal commence fort, hein, en rouleau compresseur. Attention, oh, quel coup droit magistral et deux balles de break d'entrée. C'est ce qu'il a retrouvé un petit peu dans cette quatrième manche, hein, son fameux coup droit long de la ligne. Dès qu'il a vraiment l'opportunité de lâcher par une vitesse. T'as vu, Nico, comme elle accélère la balle au rebond dès qu'elle touche le sol. À la demi-volée, la première était somptueuse. Et après, Nadal est passé quand même. Le travail de la tête de raquette là. Hop. Belle accélération. Oh, magnifique. Ça y en a fait pendant le premier, le troisième set. Il avait perdu un peu l'habitude. 15-14. Magnifique. Qu'est-ce que ça joue là? Ah, parce que sur le retour, il n'y a pas grand-chose à regretter. Hein. Ah non, puis quelle défense, en plus de Roger, là-dessus. Exceptionnel. Et après, on a derrière un Rafa qui a réussi à réaccélérer encore cette balle. Et il est moins sûr. Hein. Ah, il a demandé à sa box. Et là, Carlos, je pense qu'elle touche. Ah oui. Oh, bah, elle est bien dedans. Hein. Oh oui. Elle est bien dedans, largement. Hein. Au moins 3 micros. J'avais vu. Attends.
contre le coup. Magnifique. Splendide. Je peux vous dire qu'elle n'est pas facile la volée, hein, parce que ça arrive de loin, c'est lourd, c'est à voler en dessous du niveau du filet, ça tourne. Parfaitement contrôlé. Oui, ça c'était vraiment voilà. un beau jeu de la part de Roger Federer. Il lui fallait absolument. Oh, c'est beau ça. Tourne les épaules, prise des baltos, boum. Dans l'ouverture. Ah ouais, super. Oh oui. Et encore une balle de débreak pour lui. Tout à l'heure, il en avait eu 3. Et c'est très proche hein, sur les stats. Sur ses balles de break, comme il va bien la chercher celle-là, ce revers joué en avançant. Quelle longueur encore! C'est énorme! Extraordinaire de Rafa! Qu'est-ce qui est fort dans les moments importants? Juice. Il a repoussé Roger encore et là il termine par un droit croisé. Revers. Ah, un coup droit, ouais, revers, pardon, un coup droit. Un coup droit, ouais, pour moi, ouais, pardon. Changer d'option, hein, tactique autant en début de match, c'était surtout sur la diagonale que Roger allait frapper ce revers à une main, sans maintenant insister quand même beaucoup plus sur le revers de Rafa depuis un petit moment. Lucas. Attention hein, contre Rafa, lorsque tu fais une amortie, il faut que ça soit, elle soit propre, sinon finition. Défense avant. Oui. 18 coups. Et terminé par un revers pareil. Rarissime aujourd'hui ce type de bras de fer du fond conclu comme ça en plus. Oh. Flèche décochée en revers croisé et nouvelle balle de débreak. 14e revers gagnant. Mais le côté était fou, c'est incrédule c'est pas possible. Et oui. Ah, il a retrouvé une certaine qualité hein, et une précision.
Et surtout dès que la balle est courte, il va. Il se jette dessus. Festival. Il sort de sa boîte plus que jamais. Quelle défense là. Il va venir. Quel point. Quel point. C'est le point du match, un point de géant. Oh là 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 là, le point du temps. Oh le point. Oh le dernier coup droit puis ouvert, droit devant. Mais vous pensez qu'on le reverra combien de fois dans les 50 prochaines années ce point, hein? Et dans la légende là. Extraordinaire. Thank you. Et il servit de volée sur la seconde, il se fait transpercer. Il faut le mettre quand même là, ce retour là. C'est hallucinant. Attention. Et deux balles de Debrec. Ah, il y va, hein. Il va vers l'avant, il va le chercher ce jeu. Eh bien, ça fait 40 ans. Ça fait deux points du match. Il n'a pas réussi à lui trouver le revers. Rafa, Roche qui tourne très très vite derrière ce coup droit. Et la proto. Il le prend de vitesse en donc une zone décroisée mais encore plus courte. Oh là là, ah, il est revenu au slice. Deuxième balle de match. Deuxième balle de titre. Thank you. Elle est à côté à mon avis. En tout cas, oh là là, je crois que c'est Rafa qui demande la vidéo. Hein. C'est Rafa. Qu'est-ce qu'il avait enroulé là? Parce que le juge de ligne n'a rien dit et l'arbitre non plus. Vous imaginez, ça se termine là-dessus sur un challenge correct parce que là, si la balle touche, c'est terminé. Hein. Terminé, terminé. Elle touche. Elle touche. Incroyable dénouement. Et ça y est, pour l'éternité, le match gravé à jamais. Cette finale, Federer-Nadal avec pour la première fois. Depuis une décennie, Roger Federer qui bat Rafael Nadal en finale de Grand Chelem. C'est ici, à Melbourne Park, sur la Rod Laver Arena, que ça se produit à l'issue, tenez-vous bien, d'un match en 5-7, avec une qualité de tennis parfois exceptionnelle. Et cette émotion pour ce joueur qui, ben oui, ça faisait 5 ans qu'il avait pu gagner de Grand Chelem, et là, à 35 ans passés, ça y est, il le tient, le 18e, il l'a tellement attendu, c'est tout simplement hallucinant. Monstrueux. C'est extraordinaire. Phénoménal. Alors là.